Zeste de lecture. Le soleil ne perd pas sa beauté lorsqu'il est couvert par les nuages. De la même manière, votre beauté ne s'efface pas lorsqu'elle est couverte par le hijab. Les gens diront toujours toutes sortes de choses. Laissez-les. J'aime ma vie. C'est en temps de guerre que le meilleur et le pire s'expriment. J'aime le sentiment d'être dominé. Cela me rend réellement convaincu par opposition à un défi. Quand d'autres petites filles voulaient être des danseuses de ballet, je voulais être un vampire. Faire des choix audacieux et faire des erreurs. C'est tout ce qui fait la personne que vous devenez. Je suis très prudente avec mes émotions. Si je suis contrariée, c'est généralement pour une raison très bonne et très profonde. Je trouve les défauts attrayants. Je trouve les cicatrices attrayantes. Je me suis rendu compte qu'être heureux est un choix. Les Arabes et les musulmans ne sont pas des terroristes. Le monde devrait s'unir contre Israël. Soyez courageux, soyez audacieux, soyez libres. Nous avons la responsabilité d'être conscients des autres. Ce qui me nourrit me détruit aussi. Les idées défendues par nos aînés méritent d'être rappelées à une jeunesse qui est un peu perdue aujourd'hui. Je me suis tellement mariée dans ma vie que je n'ai jamais vraiment eu d'amoureux, donc c'est un moment amusant. J'espère que les hommes l'apprécient aussi. Les gens disent que vous allez dans le mauvais sens lorsque c'est simplement un moyen qui vous convient. Je veux ressentir le feu et l'énergie. J'ai envie de continuer mon apprentissage aux côtés des grands de Hollywood. Je ne me vois pas aussi belle, car je peux voir beaucoup de défauts. Pour faire quelque chose de bien, ça doit vous faire peur. Les enfants vous enseignent tellement. Vous avez un autre regard sur la vie lorsque vous avez un enfant. Tout est nouveau pour vous. Je me suis lancée dans l'humanitaire il y a longtemps parce que j'espérais aider le monde de manière significative. Thérapie? Je n'ai pas besoin de ça. Les rôles que je choisis sont ma thérapie. Lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes différent, souriez et maintenez votre tête haute et soyez fiers. Je pense que je devrais apprendre le français et être une meilleure cuisinière.